slow motion, tu le feras après, t'es obligé de le prendre en slow maintenant. Ça fait double slow motion. Ah yes, comme ça. Reach through. Voilà, déjà, ça, c'est... bon, c'est pas les meilleurs spots, mais tu vois, déjà là, ça vaut le coup de regarder sous ces machins. Par contre, ils sont pas comme sur le lez, hein. Ils sont beaucoup plus, mec, la moindre vibration, ils te détectent. Hein. Ah, c'est un truc de ouf comment ils sont ici. Ils te voient avant que tu les vois presque. J'ai remarqué, ils ont pas du tout le même comportement. Ah, bouche, juste là. Olivier. Putain, pour pénétrer à l'intérieur, ouais, c'est vrai que ça serait mieux si c'était plombé. Hop! Comment ça a pas mis longtemps? Combien? 3 minutes de pêche? Même pas! Ça prend même pas que tu mets ton leurre à l'eau. C'est clair! Tu vois, comme quoi, faut avoir les yeux aiguisés, mon gars. Il y avait juste les moustaches qui dépassaient. Bon, par contre, il a pris direct au fond de la gueule. Pas au fond. Ouais, il a aspiré. Ouais. Il est pris dessous. La petite pince magique. T'as mis un élastique dessus? Ouais, c'est un genre de truc à ressortir. Oh, c'est ouais, j'en ai perdu 3 ou 4 l'an dernier, des pinces comme ça. Bon, voilà. Hop là. Allez, une minute de pêche sur la bonne zone. Premier petit poisson. Pour montrer à Eric que le salagou, c'est quand même bien, non? C'est bien le salagou ou pas finalement? Ouais, bah on va voir. C'est bon signe, peut-être qu'ils ont tous la dalle aujourd'hui. La dernière fois, ils refusaient tout. En fait, j'ai remarqué les gros. Tu vois, il y a toujours un arbre avec les racines des arbres, tu sais, comme on les voit là, un petit peu rouge là et blanche là. Ouais. Et après, autour, tu as des bartasses et des algues vertes. Ouais. Ils se mettent la tête dans les racines de l'arbre. Ouais. Tous les gros que j'ai vus, ils étaient dans cette configuration là. C'est pour ça qu'ils te présentent, tu vois, que la queue qui dépasse, tu vois, et ils ont la tête au fond. Bon les gars, déjà repéré un petit silure et un gros silure. Donc on va commencer par le petit, il n'est pas calé sur les zones d'ombre, il est calé vraiment contre les galets au fond. Et on va tester un petit peu l'appétit des silures aujourd'hui en lui présentant le leurre devant la bouche. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc en fait il est juste au pied de la branche là, en espérant que le vent qui ne me capte pas. Oh là là, un refus catégorique. Donc là les gars, c'est pas très bon signe ça. Refus, puis il est parti. Hein. C'est pas très bon du tout ça.
Donc je vais mettre et pas jouer au con comme la dernière fois. Je vais m'équiper avec ma canne au silure, un peu mieux équipée quand même, pour histoire de que si je pique un gros quand même, je puisse le remonter. Donc celle-ci. Yes! Putain, Drag Shadow, ça dépote. Putain! Oh, ce que j'y mets. M'attaque pas les pieds, j'espère. Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. Oh putain. Oh, 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 oh. Ouais, je pensais qu'il faisait 2 mètres. Je suis pas sûr que ce soit réellement celui que j'avais vu. Mais je pense pas qu'il fasse 2 mètres. À mon avis, il fait 1 m80. Mais pour le salagou, c'est déjà un beau poisson. Parce que je pense que ça fait pas non plus des milliers d'années hein, que les silures sont dans ces eaux. Et de faire un silure de cette taille. Pas l'an dernier, j'en avais fait un qui devait faire 1m60. Et là, cette année, je pense que record battu au salagou, pour ma part en tout cas, pour moi, mon record personnel. Et de le faire de cette manière-là, par contre, ça, c'était pas encore fait. Et là, je suis plutôt content. Bon, ben voilà. Mission réussie. Drag Shadow. Oh putain, ce combat de malade qui m'a fait. Ouh, il y a de la bagarre là. Hein.
Là aussi, il y a de la bagarre. Bon voilà, au final il n'était pas aussi gros que ce que je pensais, mais au final là, au-delà de la dimension des gros poissons, ce qui compte c'est le combat et les émotions, et là je peux vous dire que c'est vraiment au rendez-vous, ce combat qui m'a fait, j'ai eu peur à un moment qu'il me fasse la même histoire que la dernière fois et que j'arrive pas à le sortir et qu'il me casse, finalement on a réussi à le sortir, on a pu mettre une mesure sur ce poisson. Donc en fait c'est un poisson qui fait un peu moins d'1m70, 1m68. Donc j'ai vraiment été faussé en tout cas sur mon estimation la dernière fois. Je pense bien que c'était lui par contre. Mais c'est vrai que dans l'eau c'est assez trompeur. Puis quand il vous passe vraiment sous le flotte-tube, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus gros que si on le voyait de loin. Donc voilà en tout cas une nouvelle aventure de pêche en tout cas qui se termine super bien. Je suis vraiment content d'avoir mis ce fiche en dehors de l'eau et puis d'avoir réussi à vous le montrer en espérant que ça vous a plu aussi. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé un peu cette prise là de silure, en fait il était sous la touffe, mais c'était sa queue que je voyais en fait, donc pour lui présenter devant la bouche c'était impossible. Donc j'ai tenté un truc, je me suis dit qu'il tout double, et donc j'ai tenté et en fait j'ai fait du bruit avec mes palmes un peu comme ça là. Et sous l'eau, hein. Sous l'eau. Et en fait, ça a attiré son attention. Donc, il est sorti une première fois. Ensuite, il est re-rentré. Il est sorti une deuxième fois. Et quand il est sorti la deuxième fois, quand il est re-rentré ensuite, j'y ai présenté le leurre. Enfin, il est passé devant le leurre. Donc, je l'ai agité un petit peu. Il a juste ouvert la bouche comme ça, pouf, en passant. Mais c'était vraiment... c'était insoupçonnable, donc dans le doute, bah, j'ai ferré, et puis j'ai bien fait, parce qu'en fait, il avait pris. Et donc, après, s'en est suivi les images que vous venez de voir. Donc, voilà. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, on y retourne. Bon, alors, rectification. Celui que je viens de faire n'est pas celui que j'ai manqué la dernière fois, parce que celui que j'ai manqué la dernière fois, il vient de sortir de dessous cet arbre. Et réellement, il fait largement plus de 2m10. Je m'étais pas trompé. Par contre... je pense que pour le sortir, ça doit être impossible, parce que vu le combat que le 1m68 m'a mis, si je prends l'autre, c'est un véritable monstre. Hein. Alors, il est parti de la touffe là-bas, et je vais voir s'il n'est pas revenu sur cette touffe ici, qui est... Ah, il passe dessous.